Alors, je vous présente Océane qui a actuellement 9 ans. Océane a été suivie dans deux hôpitaux, donc Caen et Villejuif. Et une fois le protocole fini à Villejuif, et bah, malheureusement, on ne savait plus où aller parce qu'il restait des tumeurs au niveau cérébral et médullaire. Et les médecins voulaient voir l'évolution des tumeurs. Et donc, nous, parents, on n'était pas du tout d'accord. Et j'ai une amie qui a contacté Madame de Lépine et qui a fait suivre sa fille ici. Et justement, par le biais de cette personne-là, on a rencontré Madame de Lépine et on lui a expliqué notre souci. Et elle nous a pris directement, quoi, sans poser de questions, sans interprétation, enfin, sans rien. Et heureusement qu'elle était là parce qu'en 3 semaines de temps, le temps de quitter Villejuif et d'arriver à Garches, le temps de prévoir des IRM, Océane a fait une récidive de 12 mm au niveau du cerveau. Elle a très mal vécu parce qu'elle disait qu'elle était guérie. Il a fallu vraiment lui expliquer ce qu'on allait lui faire parce que c'était un nouvel hôpital et de nouveaux médecins. Donc il fallait que les médecins s'adaptent à Océane parce qu'elle avait peur des blouses. Donc au début, les médecins, ils enlevaient leur blouse pour la rassurer. Et après, là, au fil du temps, ils ont vraiment trouvé pour la soigner, quoi. Donc ça a vraiment été une équipe formidable, quoi. À ce jour, elle est en rémission. Et on a vraiment arrêté des mini-chimios, enfin, au mois de mars. Donc ça va faire 1 an. Nous sommes arrivés en mars 2007, dans le service de Madame de Lépine. Donc un an et demi après la date de la maladie, quoi. Ici, nous avons trouvé déjà le service humain, à l'écoute des patients, des parents, parce que très angoissés. Et au niveau chimio, c'était pas le même protocole qu'à Villejuif. C'est vous avez des protocoles pour toutes les maladies, vous avez exactement les mêmes chimios. Quand on est arrivé ici, ils ont essayé de trouver une chimio adaptée à la maladie d'Océane. Donc ça a été vraiment un combat difficile parce que bon, voilà, les chimios, enfin, le cancer, c'est la catastrophe, quoi. Et il a fallu un grand combat pour trouver vraiment le protocole, quoi. Avec acharnement, ils ont vraiment trouvé la bonne dose, la bonne chimio, quoi. C'est de la médecine individualisée, c'est vraiment chaque enfant qui a... Ils ont chacun quelque chose de différent. Et ici, les chimios, c'est différent aussi. Franchement, s'ils ferment le service, Océane, elle est condamnée, quoi. Parce qu'elle est en rémission à ce jour, mais la maladie qu'elle a, à la puberté, elle risque de récidiver.